je me demandais s'il n'y avait pas le risque de tomber dans le même trou qu'a vécu un peu la 3D traditionnelle, c'est-à-dire qu'on s'en lasse un peu avant que ce soit vraiment commencé. Je suis vraiment très enthousiaste quand je vois la VR de très haute qualité, mais quand je vois que ce sera distribué mainstream, surtout par l'iPhone ou par un portable, et la très mauvaise qualité que je vois dans les Google Board, moi qui suis vraiment... que j'aime la belle qualité d'image pour être immersif, je pense qu'il y a quand même un risque que la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, vont se lasser de cette mauvaise qualité qui en est pour le moment. Je ne parle pas des headsets HTC, mais est-ce que, autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas aller trop vite justement pour faire distribuer le nouveau médium et que la mauvaise qualité va justement empêcher les gens de continuer à regarder? C'est une question pour vous. Je crois que c'est Richard qui va répondre. Richard? So I massively disagree with you. You can watch, I keep your amazing speech this morning, Barbara's talk, you know, you can watch an old Disney classic in black and white and you're still captivated. It's about the... Yeah, you know, it's you can, you know, be captivated by a one-man show in a dingy bar in Edinburgh at the Fringe Festival. You know, it's not about image quality. It never has been about image quality. I'm not totally agree with you. I mean, if there's another story, but it's a good story, then okay, but when you're talking about documentaries or you show landscapes with a 360-degree video, you need quality to be immersive. It's all the goal is to be in the environment. So when the quality is too poor, you just cannot. I feel it's personal. I'm not in it. I prefer to watch an IMAX movie, 2D. There I'm really in the game. But when I look too poor quality, which is from now, for a certain genre, I'm not in it. Can you understand it? Yeah, but we're shackled. So I'm a documentary maker, and I've shot in Senegal for the UN. And the film that I made, which was put on the president's head at COP21, was downscaled. So the physical headsets that I'm putting my film on don't have the resolutions that I shot it at. So my film is much higher resolution than the devices that's will actually go. That's just my question. So you just have to be patient, sir. That's why. I'm very patient, but the only risk I thought could be that we show it to the mass, and it happened to 3D as well. We have this bad 3D, we have very good 3D, but we have very bad 3D. And a lot of people just won't look anymore, yeah. And it's too poor. I've been shooting 360 for 6 years now, and I have the same argument with like every room. There's always someone who's frustrated with the quality, and you shrug your shoulders and you say, look, I can't. It's not my job. I'm just trying to work with what I'm doing here. But I think you're right. Obviously, we've got to aspire to the best quality as possible. The technology's not up to it yet. The mixed reality, which is we haven't really touched on today, the headsets which are coming out of California, Microsoft's development towards mixed reality, and the HoloLens, which allow you to look through a pair of glasses and sure. have AR pop up in front of you, terrible quality, awful quality. Sure. But it's still amazing and it's still incredible. And anyone who's looking at this technology is going, can you imagine how when they crack the pixels, when they can get the, you know, whatever dynamic technology they're going to use to have the resolution, it's going to be mind blowing. So, you know, nobody in the VR world is going to put their hand up and say, "Oh, this is amazing." We all know it's not amazing, but it's where it's going and how we're engaging. And I think that's the key. And as creators, and we, you know, don't focus on the quality. Focus on the story, and then you'll get your film commissioned. Okay. Deux choses, c'est juste, j'ai pas l'impression que la 3D marche plus.
J'ai l'impression que la 3D à la maison, ça marche plus. Je crois que Sony a annoncé il y a 3 semaines qu'ils ne vendraient plus d'écran 3D. Donc effectivement, dans les foyers, les gens ne s'intéressent plus trop à 3D parce que c'est trop contraignant. Mais au cinéma, je crois que les salles sont encore bien remplies de gens qui veulent voir de la 3D. Enfin, quand ils vont voir Star Wars, ils continuent à le voir en 3D. Et aussi, je pense qu'il y a aussi justement ce contraste entre les gens chez eux et les gens dans les salles de cinéma. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Starbreeze fait aussi ce genre d'installation. Quand on regarde la VR dans un casque Samsung, que de le regarder dans un Starbreeze, c'est complètement autre chose. La résolution, je crois que c'est 5K par œil. Donc c'est juste le jour et la nuit entre. Il y a toujours ce truc entre regarder un mauvais DVD à la maison mal encodé et le regarder en salle, en fait. Il y aura encore ce contraste pendant un bon moment. Mais en tout cas, ça revient tout le temps, cette comparaison avec la 3D. Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que la 3D, c'est un calque en plus qu'on rajoute au cinéma classique. Tandis que la VR, c'est complètement autre chose. Vous en parliez tout à l'heure. C'est autant en termes de narration que de technologie, que d'immersion. Pour moi, c'est complètement autre chose.